29. Un voyage en parapluie. Jeannot est un petit garçon de 5 ans. Il habite une maison de bois dans la forêt, au milieu d'une clairière. Son père est bûcheron. Il abat des arbres dans la forêt. Hier, Jeannot est allé à la ville avec ses parents. Il était déjà allé deux ou trois fois à la ville. On était sous le soleil, à dos de mille, mais hier il pleuvait. La famille a pris le car. C'est la première fois que Jeannot voyageait en car. Comme il était heureux. Arrivé à la ville, Jeannot et ses parents ont couru pour se mettre à l'abri de la pluie. Tout le monde courait pour ne pas se faire mouiller. Tout à coup, Jeannot a vu dans la rue une belle dame qui ne courait pas. Elle tenait au-dessus de sa tête un grand champignon rouge. Et sous ce champignon tout rouge, la dame était bien à l'abri et ne se mouillait pas. Papa, dit Jeannot, regarde la dame, elle marche sous un grand champignon. Ce n'est pas un champignon, c'est un parapluie pour les gens qui n'ont pas un bon capuchon. Un parapluie, comme c'est joli et comme c'est commode. Le soir, Jeannot s'est couché bien fatigué et bien content. Il avait fait un voyage en car et il avait vu des parapluies. 29. Un voyage en parapluie. Un voyage au safari en parapluie. Il met d'Allah. Jeannot est un petit garçon. Jeannot Teflon Sarah, de 5 ans, 5 ans. Elle habite, Yeskono, une maison de bois. Menzil de bois, le. Dans la forêt, fait le rabat au milieu, fait montassa d'une clairière. Clairière, il y a le maquin. Il rêve, laisse faire Aja. Son père est bûcheron. Son père est beaucoup bûcheron. Hattab, il abat, il retarde des arbres. Aja, dans la forêt, il rêve. Hier, elle va aller à Jeannot et aller à la ville. Dehaba, il a une médina, ville médina, avec ses parents, ma'awalide. Il était déjà allé, la khatsaba khalon, un dehaba, deux ou trois fois. Mavatini ou Talat Mavat. À la ville, il m'a dit on était fait safe sous le soleil, Tahta Shams, Ado, Do, Dah, Domile, Mule ou le Barl. Mais hier, il pleuvait, al Matavo Yaskot. La famille, al Aïla, a pris le car, a kibat fait le Hafila, le car, al Hafila. C'était la première fois en Mawal Oula que Jeannot voyageait sa femme en car. Fil Hafil. Comme il était heureux. Kaifa annahu sa'id. Kana sa'idan jidda. Arrivé à la ville. Arrivé Yawasal. À la ville Medina, Jeannot et ses parents. Jeannot et ses parents. Walidé ont couru. Jalo. Pour se mettre les yakounou. À l'abri de l'abri ou le mahba ou le malja, il y a un mata. Tout le monde, jamais un nas, le monde ou l'alam, tout le monde, un nas ou couloir, courait, t'ajoui, pour ne pas se faire mouiller. Mouiller, il y a un bel la faisait. Tout à coup, Fajatan, j'ai notre avis, vu le verre voir, Ra'a, dans la rue, Fichere, une belle dame, Ra'a, dame, Ra'a, une belle Jamina. Qui ne courait pas la tajri. Il tournait au-dessus de sa tête à un grand champignon. Champignon. Wattof. Rouge, Ahmar. Et sous ce champignon, champignon. Tout rouge, Ahmar. Et sous. Champignon ou le feta, tout rouge ahma. Champignon ou le feta, rien de mot au fil rabat. La dame, ma un, était bien à l'abri et ne se mouillait pas. La tête belle. Papa, dit Gina, regarde en dos la dame, elle marche. Derrière ton automchi, sous tête un grand champignon. Feta kebe.
Ce n'est pas un champignon, et ça fait un. C'est un parapluie, mais dans la pour les gens, les ministres, les nefs, qui n'ont pas un bon capuchon, les délais, c'est la homme, capuchon, ou rita, les vaches. Rien capuchon, ou ta bouche, elle monte à servir, mais taf. Un parapluie, mais dans la comme si joli, kiffa, jamais. Et comme c'est commode, mauvais, commode, mauvais. Le soir, un matin, j'ai noté si couché, j'ai noté Nama, bien fatigué, t'avais un jiddan, et bien content, il avait fait un voyage, Safara fil Hafila, encore Hafila, il avait vu, voilà, des parapluies, mais dans la. Un voyage en parapluie. Jeannot est un petit garçon de 5 ans. Il habite une maison de bois dans la forêt, au milieu d'une clairière. Son père est bûcheron. Il abat des arbres dans la forêt. Hier, Jeannot est allé à la ville avec ses parents. Il était déjà allé 2 ou 3 fois à la ville. On était sous le soleil. Ado du tumulé. Mais hier, il pleuvait, la famine. Après le car, c'était la première fois que Jeannot voyageait en car, comme il était heureux. Arrivé à la ville, Jeannot et ses parents ont couru pour se mettre à l'abri de la pluie. Tout le monde courait pour ne pas se faire mouiller. Tout à coup, Jeannot avait dans la rue une belle dame qui ne courait pas. Elle tenait au-dessus de sa tête un grand champignon rouge. Et sous ce champignon tout rouge, la dame était bien à l'abri et ne se mouillait pas. Papa dit Jeannot, regarde la dame, elle marche sous un grand champignon. Ce n'est pas un champignon, c'est un parapluie. Pour les gens qui n'ont pas un bon capuchon, un parapluie, comme c'est joli et comme c'est commode. Le soir, Jeannot s'est couché bien fatigué et bien content. Il avait fait un voyage en car, il avait vu des parapluies.